Idéalement, ce que nous, on cherche à faire avec, en collaboration avec le maître d'ouvrage qui vient chez nous pour demander une maison, une extension, un espace, petit ou grand, on essaye d'aller un petit peu plus loin que juste la question des mètres carrés à construire, un petit peu plus loin que juste le budget à respecter. Et donc ça passe par des recherches spatiales, des recherches de matière. Et on essaye d'être, on va dire, original, sans être péjoratif dans le mot original. Et donc c'est essayer de créer, j'aime bien le mot qu'un architecte prenait. On a des espaces ordinaires de manière quotidienne et on essaye d'en faire à certains moments des espaces extraordinaires, dans le sens où qui sortent de l'ordinaire et donc qui sont un petit peu différents. L'extra, dans le mot extraordinaire, c'est justement la patte ADN. Une patte, c'est peut-être exagéré, mais l'extraordinaire, c'est justement qu'un client, quand il rentre dans son projet ou qu'il commence à le comprendre, quand on le produit, qu'ils se disent, ah oui, c'est vrai, ça, j'y pensais pas, ou j'y avais pensé, mais je le voyais pas comme ça, et donc je vais pouvoir vivre dans un objet qui est plus que l'objet commun que j'ai l'habitude de voir, quoi. C'est ça qu'on essaye de faire, mais par des choses parfois très subtiles et très quasiment invisibles, finalement, de celui qui n'est pas le client, quoi. Mais l'espace n'est pas spécialement reconnaissable, duplicable. C'est une architecture quand même qui reste une architecture par rapport à un contexte ou par rapport à une question posée. Je pense qu'elle est très fort imprégnée par nous et par ce qu'on est, par notre bagage. Enfin, elle est très personnelle. En même temps, c'est une architecture qui est une architecture d'échange avec le maître d'ouvrage, parce qu'on écoute beaucoup le maître d'ouvrage. En tout cas, dans les projets qui se passent bien, des projets complets du début à la fin, on est vraiment en échange très fort avec le maître d'ouvrage pour la conception. Et puis, on essaye d'insuffler au maître d'ouvrage notre expérience et nos envies, est-ce que nous on aime. Donc, on essaye toujours de l'orienter, de le pervertir un peu. Ça, c'est toujours quelque chose qu'on a fait depuis le début, quoi. J'ai envie de dire, en termes d'espace et d'atmosphère, ça sera à chaque fois un petit peu différent. Après, c'est vrai que si on regarde, si on prend côte à côte, les différents projets qui ont été réalisés pendant 15 ans, je pense qu'on pourra voir des petits éléments, un petit fil conducteur. Est-ce que ce fil conducteur viendrait des matériaux utilisés? Est-ce que vous avez des matériaux de prédilection ou bien est-ce qu'à chaque projet, vous allez essayer de chercher des nouveaux matériaux, de vous tenir au courant des nouveautés, de ce qui se fait ou bien est-ce que vous restez dans je sais pas moi, le matériau noble, le matériau classique, le matériau brut. Je pense qu'il y a différentes phases. Enfin, je veux dire, il y a eu plusieurs étapes. Et c'est vrai que si on voit les petits projets comme ça, on va voir qu'il y aura une période, on va dire une période blanche, blanc et noir. Et puis maintenant, on voit que si on regarde les projets actuels, on a un peu été plus loin que ça. On aime produire du mobilier ou une esthétique un peu particulière dans un projet, et que donc on n'a pas envie de travailler avec des matériaux trop transformés, mais plutôt des matériaux naturels et bruts. Mais ça permet aussi, travailler avec des matériaux naturels et bruts permet aussi de faire de l'économie. Quand on fait des étagères, quand on fait des mobiliers de cuisine, on travaille avec un panneautage brut et on ne va pas chercher des éléments stratifiés avec des finitions laquées, ce genre de choses.
j'ai transformé ma maison moi-même, mais je ne pense pas que je sois réellement un artisan et que j'ai toutes les capacités pour le faire. Je pense que le premier métier que j'aurais voulu faire, c'était ça, c'était artisan, entrepreneur, c'était de construire l'architecture plus que de la concevoir. Maintenant, je sais la concevoir, en tout cas j'espère. La construire réellement, ça, c'est un peu plus difficile, quoi. Je pense que en fonction du budget qui est disponible pour faire de l'architecture, si on veut effectivement offrir plus aux clients que la base ou que l'inintéressant, il faut bricoler et que si le client n'a pas de moyens financiers, on fait effectivement du bricolage, mais qui peut donner des résultats, à mon avis, très élevés. Mais il faut savoir que ça sera effectivement du bricolage et pas de l'artisanat de haut niveau. Est-ce que le bon goût va avec la qualité? Ou c'est deux choses différentes? Moi, je pense que selon nos maîtres d'ouvrage qui nous posent, qui nous demandent des choses, qui nous posent des questions, on ira soit vers un bon goût, mais je pense qu'un bon goût que eux considèrent comme leur bon goût à eux. Et il y a d'autres moments où on pourrait être un petit peu plus brut, voire brutal, parce que on aura plus d'ouverture, plus de marge de manœuvre. Et je pense que moi et mon associé Nicolas, on aime bien un petit peu bousculer les codes parfois. Idéalement, c'est ce qu'on aimerait bien faire à chaque fois. Le goût ne se discute pas, mais pour nous, c'est de bon goût. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'architectures de mauvais goût qui se développent pour l'instant, parce qu'en fait, tout le monde veut en faire plus que le bâtiment qui est à côté, et qu'en fait, on arrive dans le mauvais goût, alors que c'est inutile d'en faire plus que celui d'à côté. Il faut en faire pour le projet qu'on est en train de concevoir, et il faut être sobre, ça sert à rien. C'est la sobriété qui va amener la qualité d'un projet, c'est pas en étant plus coloré ou avec une volumétrie plus folle que le voisin qu'on fera un meilleur projet. Ce qui est important, c'est le projet en lui-même et comment il répond au programme. La création, elle se fabrique comment chez ADN ? C'est assez rapide, donc le processus créatif très très rapide. Donc, c'est-à-dire que je pense que sur un projet petit, moyen, grand, le concept, l'idée conceptuelle va naître en quelques minutes, quoi. On fait ça à quatre mains, le plus souvent possible. Et puis, quand on passe aux phases permis et dossiers d'exécution, là, il y en a un des deux qui reprend la main, assisté des collaborateurs. Mais il y a toujours une relecture par l'autre. Donc, on est sans cesse en train d'aller voir ce qui se passe dans le projet de l'autre, parce que en fait, c'est pas le projet de l'autre, c'est le projet d'ADN, quoi. Je crois qu'on teste. On teste dans le sens où on n'a pas peur d'aller de l'avant et qu'on sait en tout cas dans le temps du projet que si ça ne marche pas, on peut toujours revenir en arrière. Après, effectivement, on a dû parfois tester des choses qu'on reproduisait mais qu'on n'avait peut-être jamais fait nous-mêmes ou des choses qu'on n'avait jamais vues et les résultats ont été heureux ou malheureux. Mais oui, on teste. Je pense qu'on n'a pas peur de tester.